Après la Normandie et la Bourgogne, c'est en Île-de-France, à Marolles-en-Brie, que le grand national de CSO fait une étape. À l'aube de cette troisième épreuve de la saison, cinq écuries se tiennent aux avant-postes avec six petits points d'écart. L'absence de l'écurie Hartropille, actuel leader du classement, a affûté l'appétit des concurrents. Ils sont 76 engagés dans le Grand Prix. De quoi promettre du beau spectacle aux nombreux spectateurs venus profiter du soleil enfin présent. Les équipes du centre hippique de Saint-Maur-des-Fossés accueillent une nouvelle fois le Grand National sur ses installations situées sur la commune de Marolles-en-Brie. Comme d'habitude, on essaye d'améliorer l'accueil des cavaliers. Donc cette année, on a beaucoup plus de box que l'année dernière. La carrière refaite comme tous les ans, troisième année, donc ça commence à devenir plus facile, on va dire. On est une école d'équitation, on accueille des scolaires, des enfants du Shetland à la compétition à cheval. Donc ça fait à peu près 800 cavaliers. Tous les dimanches, on a une compétition, Pony Games, dressage, obstacle, complet, trek. Et donc ça fait un week-end de plus de concours. Pas avec les mêmes enjeux, bien sûr. Là, ça tombait très bien, c'était pendant les vacances. On a eu beaucoup de bénévoles très jeunes qui se sont passionnés pour le montage de pistes, qui ont posé des questions à Jean-François Morand, qui ont été aidés au paddock, des choses qu'ils ne font pas d'habitude, quoi. Au détour des allées, le public aura pu croiser deux championnes olympiques d'escrime. Entre Saint-Maur et l'escrime à Pédin, c'est déjà une longue histoire d'amour. Ça dure depuis 20 ans qu'ils organisent une compétition de Coupe du Monde à Pédin. Donc on a fait connaissance et depuis on garde le contact. Et dès qu'on peut intervenir pour la ville de Saint-Maur, on le fait avec un grand joie. Voilà, et pour l'équitation, en fait, c'est une première. C'est vrai qu'il y a du monde, il y a un très beau parcours, le saut d'obstacles qu'on découvre, mais c'est une belle histoire aussi d'équipe entre le cheval et le cavalier, et c'est plaisant quand même à découvrir. Victorieuse en 2012, l'écurie Aradic compte bien briller à nouveau cette année. Je fais partie de l'écurie du Aradic avec Mathieu Billot. C'est la première année qu'on fait ça tous les deux. Le jeune cavalier Hugo Breuil rejoint Mathieu Billot, victorieux en 2012 et récent vainqueur de l'étape de Cluny. C'est la première fois que je vais faire un Grand Prix du Grand National, 1m50 avec Keldam. Je l'ai récupéré en début d'année, c'était mon père qui l'a monté jusqu'alors. C'est une très bonne jument, très très énergique. Donc c'est vrai que c'est parfois assez difficile de la contenir. J'ai mis un petit peu de temps au début d'année pour me mettre avec. J'ai fait plusieurs 1m45, donc là je me lance un petit peu. Donc c'est vrai que l'année dernière on a gagné, l'écurie Aradic a gagné le Grand National. Cette année l'objectif c'est essayer de refaire pareil, regagner le Grand National. Moi j'ai commencé à Auvers, ça s'est pas très bien passé, mon cheval n'était pas prêt. Ensuite j'ai gagné à Cluny, premier, troisième avec Pardos et troisième avec Magic Dell. On va essayer de faire le mieux possible et je pense qu'on a une bonne chance cette année, peut-être pas pour gagner, mais on va essayer vraiment de viser le podium. Je pense que le 1, 2, 3, 4 c'est tout bête, mais il faut se mettre bien dans le truc dès le début. Hein. Il y a un bon ventre. C'est pas évident, c'est pas évident. Treize couples sur les 71 partants réussiront à déjouer les pièges du parcours tracé par Jean-François Morand, le chef de piste. Hugo Breuil fait partie de ses 100 fautes à la première manche, mais avec 4 points, il ne terminera pas dans les 8 premiers. Marie Robert, avec Popov Duluc, prennent la 3e place du Grand Prix. Michel Écart réussit le double sans faute avec un superbe chrono de 31 secondes et 76 centièmes. À ce moment-là, tout le monde pense que le Grand Prix est joué. Mais c'est sans compter sur Yannick Martin qui s'est engagé le matin de l'épreuve.
Michel passait juste avant moi, donc j'ai vu qu'il avait mis la barre assez haute. Donc j'ai dû prendre tous les risques pour gagner cette épreuve et c'est ce que j'ai fait, et puis ça a payé. Voilà. C'est un cheval que j'ai acquis cet hiver. Et je fondais de très gros espoirs dessus, je connaissais ses qualités et puis voilà, il confirme, donc c'est que du bonheur. Au soir de cette troisième étape, les écarts se resserrent en tête du classement. L'écurie Horse Prestige Aviva rejoint et partage la première place avec Artropig. Les huit premières écuries se tiennent dans un mouchoir de poche. C'est dans le Berry que l'équipe de quai va accueillir la prochaine étape du Grand National sur leurs toutes nouvelles installations de Tour Pernet. Rendez-vous le 26 mai